Parce que l'égalité femmes-hommes se vit au quotidien, regardez Un jour l'égalité, avec le Forum Génération Égalité. C'était le 14 décembre 2014. Après plusieurs années passées à l'étranger, à travailler pour différentes ONG, je suis rentrée chez moi à Madagascar. J'ai tout de suite été envoyée en mission dans la région de l'Andjouille, à l'extrême sud du pays. C'est la zone la plus aride de notre île. Depuis de nombreuses années, le changement climatique et la déforestation ont engendré une grande sécheresse et l'une des plus graves crises alimentaires du monde. Ce que j'ai vu là-bas, ce sont des femmes, et en particulier des jeunes filles, être les premières victimes de cette crise. Dans notre société très patriarcale, ce sont souvent elles qui vont chercher de l'eau. Mais elles boivent toujours après les hommes. Et on les marie parfois à l'âge de 12 ans, en échange d'un zébu pour que la famille puisse manger. Cette situation insupportable a scellé mon engagement. Et depuis, je mets tout en œuvre pour que la crise écologique que nous traversons n'enferme pas davantage les femmes de nos régions. Avec le Forum Génération Égalité.